Let's go au bassin, go les poules. Ça descend en mode, Joe. Putain, je sais pas c'est quoi le délire, mais je crois que j'ai vite compris. Là, il y a un bête de cliff jump, les gars. Fou, il y a un bon 15. C'est m'approcher, c'est du sable, ça fait peur. Ah, il y a un bon 15 là. Waouh, Joe. Je suis tout seul là, mais chier, là-bas, il y a un autre jump et tout. Je vais m'éclater, Joe. Kill jump alone. C'était pas prévu du tout, mais ça va partir en journée cliff jump, quoi. Youp. Regardez-moi les endroits quoi, une plage comme ça, t'as un spot. C'est genre juste folie. Aujourd'hui c'est, y a du vent, donc c'est pas terrible, mais waouh, les endroits sont juste dingues quoi. Et nous on va au bassin, c'est par ici le bassin, j'ai l'impression. Me voilà arrivé au bassin, juste dingo le paysage. Regardez-moi ça quoi, on dirait une petite perfection pour le cliff jump. Là il y a des hauteurs, plein de hauteurs différentes. Je sais pas comment on remonte encore, mais ça je vais le trouver. Mais le petit bassin est proche. Je me ruer là-dedans. Là, j'ai l'air d'avoir de la vie, ça s'appelle la Green Pool. Bah je pense que j'ai vite compris pourquoi, hein. C'est pas trop compliqué. C'est parti, allons checker ça. Oh, elle est dégueulasse, on voit que dalle, regarde ça. Ça a l'air profond, ouais. Nickel. Une profondeur confirmée à plus de 3 mètres, 3-4 mètres. Ouais, il reste plus qu'à trouver comment monter là-haut. C'est un petit jeu d'enfant, je pense, mais je vais essayer de vous amener un peu dans l'aventure. Oh, la plateforme, comme elle est magique! Oh, c'est des tripes, regarde ça! Attends, la plage, quoi, c'est fou! Incroyable! Bon, oh, bah, on va lancer le premier trick, hein! Allez, ce spot était dingue. Je vais essayer de fouiller, chercher un autre. Et Dieu sait qu'il y a un petit peu plus haut juste là. Je vais aller voir ça. Donc let's go. Voilà, là, 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 la plateforme encore. Mais vraiment, c'est un spot magnifique pour le cliff jump. Hein. Là, t'as la mer et tout. T'as les grosses séries. C'est juste dingo. Je kiffe. Je kiffe. Donc là je continue le petit chemin, on va chercher un peu plus de hauteur encore. Donc c'est par là où je suis arrivé je crois. Moi bon, je vais pas me permettre un bac mais peut-être juste un saut normal déjà, ce sera cool. Voyons voir ce que le chemin nous réserve. Il doit être un mètre ou deux plus haut, pas vraiment beaucoup plus haut. Ça va faire un petit 15-16 je pense. Mais le spot est juste dingue quoi, c'est trop beau quoi. Bon allez, dernier petit jump. Putain, j'ai eu chaud, la GoPro a failli se barrer quoi. Elle est sortie du tout orange. Ouh, j'ai eu chaud au cul. En tout cas, pour la trouver, c'était marrant. Ouais, j'ai de la chatte. Ça va finir là-dessus.
C'est sur la route du retour, si je vais faire un petit détour voir le chemin. Et je découvre un autre bassin de ouf quoi. Vraiment, vraiment stylé encore. Bon, les cliff jumps sont moins hauts, mais il est magnifique. C'est un Zion encore quoi. J'adore, ils ont fait les petits escaliers pour aller dans l'eau. C'est ça. Tu prends les petits escaliers et hop, t'es dans l'eau tranquille. Sans forcer quoi. Waouh. Magnifique. Bon, ce sera officiellement la fin de cette vidéo pour de bon. Vraiment une super petite matinée qui démarre trop bien. Donc là, je vais aller me restaurer maintenant. N'oublie pas que la vie, c'est des choses simples, des petits bonheurs comme ça. Finir cette vidéo quand même sur le repas de ce midi. Donc là, la petite omelette aux champignons et œufs bio est servie. Petit romarin que j'ai ramassé sur la route. On va servir ça tout de suite. Voilà le petit menu, l'omelette, champignons bio, tout est bio là. On va servir ça. Et là, il y a un petit spot de surf. Ça a fait partir sur une session cet après-midi là. C'était la tempête ce matin. Il y a quelques mecs qui surfent. Je mets une petite vague. Non, c'est marre. Petite vague en mode point break. C'est joli hein. C'est mignon quoi.